Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir comment je vais amener le Mashiach? Il dit, Rabbi Nachman, écoutez bien. Premièrement, les conseils que j'ai dévoilés, les enseignements que j'ai dévoilés, ce sont des conseils qui sont magiques, qui travaillent comment? Juste tu lis, juste tu entends, tu changes. Il dit, Rabbi Nachman, deuxièmement, plus de ça, quand tu vas lire ma Torah, quand tu vas t'attacher à moi, je vais descendre personnellement et par la force de la Torah et de la Tfila que tu as lue, je vais venir moi-même et m'occuper de toi jusqu'à ce que le problème sera résolu. Troisièmement, il dit Rabbi Nachman, toi maintenant tu auras un travail, dit Rabbi Nachman. C'est quoi? De me chercher. Parce que moi, il dit Rabbi Nachman, j'ai créé les livres. J'ai une promesse qu'à chaque fois que tu m'appelleras, je viendrai. Mais le troisième pas, c'est que toi qui dois le faire. Quoi? Trouve-moi. Moi, je suis là. Toi, tu dois me trouver. Comment? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Un homme, il est obligé de se mettre dans sa vie un seder. C'est quoi un seder? Une sorte d'organisation, de, pas une organisation, mais un planning. Une petite étude qu'il fait tous les jours. Tous les jours, un seder. Maintenant, ça peut être même 5 minutes par jour, mes amis. Moi, je ne vous conseille pas 5 minutes parce que c'est trop obtus, c'est trop bas. Mais c'est très important, mes amis. Moi, si vous voulez m'entendre comme conseil, mes amis, Béhémet, je suis sûr que celui qui m'écoutera, il me remerciera après 120 ans. Béhémet. Si vous pouvez éparpiller 5 minutes par là, 5 minutes par ci dans la journée, vous allez voir que dans la journée, on peut étudier même une heure. Une heure, on peut étudier si tu éparpilles 5 minutes là, 5 minutes là. Mais il faut que tu sois organisé. Il faut que tu te dises, voilà, 5 minutes après la tfila, j'étudie. 5 minutes après Mincha, j'étudie. 5 minutes après Arvid, j'étudie. Après, tu te dis, 5 minutes avant de manger, j'étudie. 5 minutes après de manger, j'étudie. Après 5 minutes dans la journée, je trouve quand la journée. Et là, vous allez découvrir, mes amis, commandant, toute la journée, ces petites 5 minutes, en fait, ce sont des étoiles dans le ciel qui vont éclaircir la noirceur qu'on vit. C'est aussi simple que ça. Il faut prendre des petits livres de Rabbeinu pour que ça soit intéressant de changer les livres. Tu prends un Sefer Amidot, un Sipur Emasiot, et comme ça, tu te fais tes délires de 5 minutes. Vous allez voir, mes amis, il dit Rabbi Nathan, un homme qui se met un seder tous les jours, vous savez ce qui va lui arriver? Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est écrit noir sur blanc, mes amis. C'est, tout ce que je vous dis, c'est écrit. Je n'invente rien de mes mots. Tout c'est écrit. J'ai apporté tous les livres, mais je n'ai pas le temps de vous lire chaque chose. J'ai mis tous les cochers. Tout, c'est des choses qui sont écrites. Il dit Rabbi Nathan, un homme qui fera ça, il faut qu'il connaisse ça. Tout ce qui va lui arriver cette journée sera dans son seder de son étude. Il va avoir les réponses de Rabbeinu en fonction de les livres qu'il étudie. Des fois, tu vas t'arrêter une semaine dans un livre. Une semaine après, tu vas reprendre. Ce que tu vas reprendre, c'est pile poil le problème d'aujourd'hui. Il dit Rabbi Nathan, parce que Rabbeinu, il te parle à travers les livres. C'est magique. C'est de la magie, mes amis. Mais pour cela, on est obligé, il dit Rabbi Nathan, on est obligé de se fixer des petites études. Et vous allez voir que dans ces petites études, le tzaddik te parle à travers.